C'est parti pour une nouvelle aventure sur Gospel Cross. Suivez désormais notre programme du journal tous les samedis. À partir d'aujourd'hui, les dates du 14 et du 28 sont supprimées. Notre rédaction vient de répondre ainsi aux nombreuses attentes des téléspectateurs qui souhaitaient suivre notre journal chaque semaine. Actualité chrétienne du message du temps de la fin, vous êtes sur Gospel Cross. Bienvenue sur Gospel Cross, c'est une nouvelle édition du journal. Gospel Cross News 1, nouvelle édition, voici les titres. Donc, le rendez-vous est pris, restez connectés à la nouvelle grille de programme. Nous sommes en ce moment même en Ile-de-France. Bonsoir, tout d'abord cette terrible nouvelle. Gospel Cross. Trois chaînes. Un seul média. Une seule passion. Nous sommes le 28 janvier 2023, c'est la nouvelle édition du journal sur Gospel Cross. Voici les sommaires. 24 janvier 1950, 24 janvier 2023, exactement 73 ans depuis que l'ange du Seigneur a été photographié au Sam Houston Stadium au Texas. Nous faisons un gros plan sur l'endroit où cette photographie est actuellement conservée à la bibliothèque du Congrès des États-Unis. L'accomplissement de la prophétie de William Marion Branham continue de planer sur Los Angeles. Après les inondations meurtrières, c'est maintenant au tour d'un tremblement de terre qui vient de frapper la Californie. La terre a tremblé de 15 km au sud-est de la région de Rio del, une zone qui se remet encore d'un puissant séisme le mois dernier. Monsieur, est-ce le signe ? On en parle dans ce journal. Et en santé, on parle aujourd'hui de bienfaits de la pomme. Ce fruit qui est riche en fibres et qui facilite le transit intestinal et réduit le risque de constipation. L'avantage de la pomme est qu'elle contient moins de sucre et elle est donc fortement recommandée. Nous le verrons. Voilà les titres à retenir pour ce journal. Bienvenue à tous. Los Angeles encore et toujours dans le viseur de la prophétie donnée par le prophète William Marion Branham. Après les inondations meurtrières, c'est maintenant au tour d'un tremblement de terre de magnitude 5,4 qui vient de frapper la Californie à 15 km au sud-est de la région de Rio del, une zone qui se remet encore d'un puissant séisme le mois dernier. Monsieur, est-ce le signe de la fin de temps? Combien de jours nous reste-t-il encore sur cette terre? Suivez ce récit. La Californie a été placée dans un état de catastrophe majeure. Après des inondations et des tempêtes successives pendant plus de 3 semaines, tuant déjà au moins 19 personnes. En Cinitas, des rochers de la taille de voitures se sont écrasés au sol lors d'un effondrement de falaise cette semaine. Cela fait partie d'une tendance dangereuse à la suite des récentes tempêtes. Depuis décembre, la Californie a connu plus de 500 glissements de terrain couvrant tout l'État. Les habitants sont prêts à vivre l'accomplissement de la prophétie de William Marion Branham, qui semble de plus en plus prête avec l'accumulation des catastrophes dans cette région américaine qui abrite Los Angeles. Après des inondations majeures, un tremblement de terre de magnitude 5,4 a frappé la Californie. À 15 km sud-est de la région de Rio del, une zone qui se remet encore d'un puissant séisme le mois dernier. Le département californien des transports a indiqué sur Twitter que la route 211 à Fenbridge était fermée pendant qu'ils effectuaient des inspections de sécurité sur le pont à la suite de la secousse. Cette région de la Californie, située dans le comté de Humboldt, a été secouée par un tremblement de terre de magnitude 6,4 le 20 décembre 2022, qui a détruit des maisons et des routes, sectionner des lignes électriques et laisser des milliers d'habitants sans eau courante ni électricité.
Outre les secousses sismiques, le nord de la Californie a également été frappé par de fortes pluies qui ont provoqué de graves inondations, submergeant les routes et obligeant les habitants à évacuer certaines zones. Monsieur, quelle heure est-il ? Préparons nos lampes, car l'époux est à la porte. Nous continuerons de scruter de près la situation en Californie pour vous tenir informés de tout ce qui se passe. Tout autre chose. Il y a 73 ans, l'ange du Seigneur a été photographié en plein service au Sam Houston Stadium au Texas. C'était lors d'une service entourée de controverses à laquelle frère Branham devait relever le défi face à un incrédule qui ne croyait pas à la guérison divine. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'endroit où les autorités américaines ont conservé cette image, considérée à ce jour comme la plus importante de toutes les photographies existantes jamais prises par un appareil photo. Regardez. Le 24 janvier 1950, lors d'une soirée entourée des controverses au Sam Houston Stadium au Texas, un photographe professionnel, Teddy Kipperman de Douglas Studio, photographie la colonne de feu sous une forme visible au-dessus de la tête du prophète des dieux. Quelques jours plus tard, la photo est prouvée scientifiquement par un examinateur des documents contestés du bureau du FBI des États-Unis d'Amérique, Monsieur George Lassie. 73 ans aujourd'hui, cette photo de l'ange du Seigneur continue à être un mystère pour la science. Le gouvernement des États-Unis a reconnu la valeur de cette image. Elle est à ce jour gardée précieusement ici dans ces majestueux bâtiments de la bibliothèque du Congrès américain. Zoé Luanga est chercheur et administrateur d'une page Facebook appelée William Branham Ministry. Il prépare tout un dossier sur cet endroit où est conservée la photographie de l'ange du Seigneur à Washington DC. Et frère Branham avait refusé d'accepter les droits d'auteur de cette photo parce qu'il avait dit que ce n'était pas sa photo, c'était la photo de l'ange du Seigneur. Et quelque part, il dit encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est descendu, qui a laissé le ciel pour se faire photographier à côté de moi. Frère Branham rappelle dans ses sermons que cette photo a été accrochée dans le hall des arts religieux aux États-Unis. Il nous revient cependant que depuis les années 1970, la photographie est logée dans les tiroirs du James Madison Memorial Building, qui est l'un des trois bâtiments de la Library of Congress. Oui, effectivement, frère Branham dit toujours que cette photo est exposée dans le hall des arts religieux de la bibliothèque du Congrès américain. Alors, il faut savoir que le Congrès américain a une bibliothèque. Cette bibliothèque-là comporte trois bâtiments qui se trouvent dans le Capitole, le complexe du Capitole du Sénat américain. Donc actuellement, si vous allez aux États-Unis, vous voulez chercher, voir cette photo, vous devez aller au James Madison Building, c'est là où vous pouvez trouver. Alors ça va un peu aider les enfants de Dieu à voir clair par rapport à cette situation-là. Cette bibliothèque du Congrès américain abrite plus de 164 millions d'articles, des livres photos, en passant par les enregistrements, les cartes et bien plus encore. Elle sert également de musée avec de nombreuses expositions à l'intérieur de l'incroyable Thomas Jefferson Building. Et c'est ici que les scientifiques ont choisi de garder jalousement la photo originale de l'ange du Seigneur, la plus importante de toutes les photographies existantes jamais prises par un appareil photo. Le Saint-Esprit était en action à l'Assemblée chrétienne de Guémena en RDC où le pasteur Alexandre Omeonga a clôturé sa série d'enseignements par une ligne de prière consacrée à l'imposition de mains pour le baptême du Saint-Esprit. Et comme résultat, Dieu a déversé son esprit sur ses enfants pendant ce service. Béni Lumumba. C'est devant une église pleine de monde que le pasteur Alexandre Omeonga, berger de l'Assemblée
chrétienne de Guémena en RDC a achevé sa série d'enseignements sur le baptême du Saint-Esprit. Dispensés sur plusieurs semaines, les enseignements ont été une véritable bénédiction pour toute la congrégation. La fin des enseignements a été marquée par une ligne de prière. Les fidèles venus nombreux à ce culte dominical se sont préparés en conséquence pour recevoir le Saint-Esprit comme promis dans la Sainte Bible. Tout comme dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a également été répandu parmi son peuple, ici à l'Assemblée chrétienne de Guémena. Les enfants de Dieu se sont succédés tour à tour pour se faire imposer les mains par les serviteurs de Dieu, choisis et consacrés pour ce service divin. Les fidèles ont remercié le Seigneur pour le don du baptême du Saint-Esprit qu'ils viennent de recevoir à l'issue de ces enseignements prêchés par le pasteur Omeong. C'est ce qui nous fait la joie parce que c'est ce Saint-Esprit-là qui est le gage de rédemption. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas espérer un jour être près du Seigneur. L'union et le baptême du Saint-Esprit, nous avons l'impression que nous avons reçu ce même Dieu et nous croyons que maintenant Dieu va commencer à faire son travail en travers son peuple. Et je remercie en tout cas, merci beaucoup le Seigneur Jésus-Christ pour ce bon message, pour ce bon pasteur que tu nous as donné. C'est sous cette atmosphère spirituelle que s'est terminé ce culte spécial consacré à la ligne de prière et à l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. Pour Gospel Cross, Benny Lumumba. Mercredi, Matondi était le thème d'une journée spéciale de louange et d'adoration organisée le 25 janvier par l'église Colombe Tabernacle dans la commune de Massina à Kinshasa. Le pasteur Anissé Kampiamba, hôte de la rencontre, a à cette occasion invité le révérend Canton de l'Arbre de Vie Tabernacle pour apporter la parole. Suivez ce reportage. C'est par un fort moment de louange que cette journée spéciale de louange et d'action de grâce s'est ouverte le 25 janvier à l'église Colombe Tabernacle située dans la commune de Massina à Kinshasa. Plusieurs musiciens de la place ont chanté à tour de rôle dans une ambiance électrique. La salle de culte était pleine. Des enfants de Dieu des différents coins de la capitale congolaise ont répondu positivement à l'invitation du pasteur Anissé Kabiamba qui tenait à faire de ces rendez-vous un grand événement. Mercredi Matondo était le thème de cette manifestation tenue dans le but de rendre grâce au Seigneur pour sa manifestation et ses bienfaits parmi son peuple. La rencontre a été marquée par un merveilleux sermon prononcé par le révérend Constant du tabernacle de l'Arbre de Vie qui était l'invité principal de la réunion. L'homme de Dieu a prêché une prédication intitulée « Le mystère des pieds » qu'il a tiré du livre de Josué au chapitre 1er verset 3. Je possède
grande onction a caractérisé ces serments. Toute la salle était debout pour appuyer la parole par des amens et des cris de joie. Un moment de prière a clôturé la soirée. Tous les participants ont remercié le Seigneur pour sa présence. Et mesdames depuis Bukavu, République démocratique du Congo, de la part de Gospel Christ. Et le pasteur Joseph Chiamba de l'église Kenos Tabernacle à Kinshasa a, pour sa part, lancé une série d'enseignements sur la stature d'un homme parfait. Les rencontres ont débuté le dimanche 8 janvier et se poursuivront jusqu'à la fin du mois. De nombreux fidèles participent à ces rencontres. Iland Kayumba, Bienvenue Kambala et Isaac Kabila. C'est à travers des chants et des danses que l'église Kenos Tabernacle, située sur l'avenue Dodoma dans la ville de Kinshasa, a lancé sa série de rencontres consacrées aux enseignements sur la stature d'un homme parfait. Les fidèles ont répondu en grand nombre à l'appel du pasteur Josué Chiamba qui a choisi de débuter l'année 2023 avec cette série d'enseignements pour mieux positionner son église. Mais quand nous lisons ça, on ne voit pas les messages de Branham, on voit les lettres d'amour que Christ nous a envoyées pour se préparer pour aller dans la l'infomat. C'est ce message qui prépare l'épouse de Christ. En dehors du message, ces disciples mouvants. Commencé le dimanche 8 janvier par un serment totalement basé sur la foi, les enseignements se sont poursuivis le mercredi 11 janvier où le pasteur a prêché sur la vertu. L'homme des dieux s'est servi du livre des Hébreux au chapitre 4, verset 2 pour articuler son serment marqué par une bonne ambiance. Pour entrer dans les messages, nous sommes réunis ce soir pour faire sortir les dieux de Branham de l'histoire. Nous sommes réunis ce soir pour que les messages deviennent nous. Il faut que les voisins lisent les messages. Branham a dit, nous devions entrer dans les messages. Les messages, c'est Christ. Il est la parole. C'est juste. Nous devions entrer dans les messages. Nous placer sous les messages. La série d'enseignements continue jusqu'à la fin du mois de janvier où le pasteur Josué Chiamba compte par l'aide du Seigneur brosser toutes les sept vertus de la stature d'un homme parfait tel que prêché par les prophètes William Marion Branham. C'est parti pour une nouvelle aventure. Gospel Cross lance désormais son programme du journal tous les samedis. Donc à partir d'aujourd'hui, les dates du 14 et 28 sont supprimées. C'est désormais chaque samedi que nous vous donnons rendez-vous pour vous informer sur Gospel Cross. Notre rédaction vient de répondre ainsi aux multiples demandes des téléspectateurs qui souhaitaient suivre notre journal chaque samedi. Restez connectés avec cette nouvelle grille de programme. Le pasteur Baruti Kasongo Leona a célébré ses 76 ans d'âge le 24 janvier dernier. Pour ce faire, il s'est entouré de siens pour marquer ce jour mémorable. Plusieurs personnes ont exprimé leurs souhaits de prospérité et de longévité à l'homme de Dieu. Ses fidèles prévoient d'organiser des manifestations pour les prochains jours pour commémorer cet anniversaire. Tous nos meilleurs vœux pour lui et sa famille. Que Dieu les bénisse abondamment. Elle s'appelait Anne Ngoy Mwambai, une jeune femme de 25 ans décédée un jour seulement après son accouchement par césarienne. La nouvelle a suscité l'émotion sur les réseaux sociaux, d'autant que la sœur venait de se marier il y a 9 mois. Elle laisse donc derrière elle un mari veuf et un bébé orphelin. Elle était croyante du message du temps de la fin à l'église Christ Vainqueur Tabernacle du pasteur Nicolas Mwambai à Kinshasa. Paix à son âme.
En santé, comme annoncé, nous parlons aujourd'hui de bienfaits de la pomme. Ce fruit riche en fibres et qui facilite le transit intestinal et réduit les risques de la constipation. La pomme renferme plusieurs avantages. Elle contient moins de sucre et elle est donc fortement recommandée. Récit d'Op Kalumba. Pour rester en bonne santé, il suffit souvent de bien utiliser les produits qui nous entourent. Manger des pommes régulièrement serait par exemple une excellente idée à laquelle nous ne pensons pas assez souvent. La pomme est un fruit riche en fibres qui facilite les transits intestinaux et réduit les risques de constipation. Pour cela, il faut la manger crue avec la peau. En cas de diarrhée en revanche, pelez votre pomme. Elle aura alors un effet radical. La pectine qu'elle contient est une fibre soluble qui peut en effet retenir jusqu'à 20 fois son volume d'eau. Les bienfaits des pommes vertes sont les mêmes que ceux d'une pomme rouge, mais leur avantage est qu'elles contiennent moins de sucre et sont donc fortement recommandées. Les pommes sont riches en antioxydants, en vitamines telles que la vitamine C, la vitamine A, la vitamine K, en fibres, en minéraux, et en une variété d'autres nutriments importants qui sont bénéfiques pour votre santé. Le goût des pommes vertes est une combinaison des saveurs acidulées et sucrées, ce qui les rend très appétissantes pour beaucoup. La pomme est également un allié contre les cancers. Elle contient en effet d'importants niveaux de catéchine et de quercétine, des antioxydants qui agissent contre la prolifération des cellules cancéreuses. Les pommes sont capables de réduire significativement les taux de mauvais cholestérol et d'augmenter légèrement les taux de bon cholestérol. La pomme serait par ailleurs recommandée pour toutes les personnes qui cherchent à perdre du poids. Elle est en effet un excellent coupe-faim. Manger des pommes serait également utile pour réduire les risques de diabète. La pomme est enfin indispensable pour conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Elle favorise en effet la production de salive. Et c'est la fin de cette édition du journal. Voici le rappel de titres principaux. Il y a de cela 73 ans, depuis que l'ange du Seigneur a été photographié au Sam Houston Stadium au Texas. C'était au cours d'une soirée entourée de controverses à laquelle le frère William Marion Branham a été confronté à un incrédule qui ne croyait pas à la guérison divine. L'accomplissement de la prophétie de William Branham continue de planer sur Los Angeles. Après des inondations meurtrières, c'est maintenant au tour d'un tremblement de terre qui vient de frapper la Californie. Et en page santé, on a parlé de bienfaits de la pomme. Ce fruit qui est riche en fibres et facilite le transit intestinal et réduit le risque de la constipation. L'avantage de la pomme est qu'elle contient moins de sucre et donc elle est fortement recommandée. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Assitumba dans une semaine, donc samedi prochain, pour une nouvelle édition du journal. Restez accompagnés de nos programmes car l'information est en continu sur www.gospelcross.net. Au revoir. Madame, monsieur et mademoiselle, désormais UK et la RDC sont des pays voisins. Comment est-ce possible? L'agence Zexfret le rend possible car chaque mois, Zexfret vous fait des conteneurs de vos colis, marchandises, véhicules et divers. Et chaque semaine envoie les colis par avion et plus encore. Chaque jour, vous pouvez faire un transfert d'argent vers la RDC en quelques minutes grâce à Zexfret.